Good morning, allez, Iden et les soirs aujourd'hui, les refouats, très refouats, battez-la. Sarah, battez-ne, Chama, Chanalea, bat, Gitel, Devora, et Yosef, Ben Rachel, Betor, Charcol, Israël, si vous souhaitez vous aussi d'aider, une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions Masarab, Sarim, Perigvav, Mishnah Gimel. Et Matay, Mevi, Chagiga, Imo, Bizman, Shehuba, Bechol, Betahara, Uve, Muat. Bizman, Shehuba, Bechabat, Bimrube, Uve, Touma, En Meviin, Imo, Chagiga. On va parler aujourd'hui d'une halakha particulière, le statut, un korban particulier qui s'appelle la Chagigat Arba Asar. Soit, de manière générale, à chaque Yom Tov, on a apporté, on aura l'occasion d'apprendre ça plus longuement dans la Masechet Chagiga, mais il y a un devoir d'apporter des korban Shalmei Chagiga et Olat Reiya, des korbanot spéciales. Des shlamim qui s'appelle Shalmei Chagiga. Lorsqu'il y a une fête, il faut manger de la viande. Manger de la viande, ça implique spécialement la viande des korbanot. Et on mange dans des korbanot shlamim, où il y a quelques restes qui montent sur le misbéach, et le reste qui est essentiellement mangé par le propriétaire. Ces Shalmei Chagiga, il faut les apporter en temps normal, pendant la fête. Lorsque, pour Pessah, pour le premier soir de Pessah, il y a une halakha très particulière, c'est que le soir de Pessah, on va manger un korban. On ne fait pas de korban le soir, donc la Torah nous a dit, tu fais le korban avant Pessah, le 14, dans l'après-midi du 14, et tu le mangeras le soir. Lorsque on est un groupe important, et un korban Pessah ne suffit pas pour tout le monde, il y a de quoi manger un petit kazaït, mais on voudrait bien manger un petit peu plus de viande, alors on a la possibilité d'apporter un Shalmei Chagiga. Un korban chagiga, un shlamim quoi, dans l'après-midi du 14, en même temps que le korban Pessah. Par exemple, si nous on est un groupe, on est une famille à 25 personnes, 30 personnes, et un seul mouton ou petit agneau ne suffit pas pour un seul agneau ne suffit pas pour toute une famille, il y a de quoi manger un petit peu, mais on a envie de manger un peu plus de viande, on apporte trois animaux. On va en faire deux qui seront des Shalmei Chagiga. Avec ça, on va faire le repas essentiel. Et puis à la fin du repas, on mangera un petit peu du Korban Pessah, un petit kazaït, histoire d'accomplir la mitzvah, comme ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que dans le plateau du Seder, on met le Zroa et la Beitza. La Beitza en souvenir du Korban Chagiga, et le Zroa en souvenir du Korban Pessah qu'on faisait griller. D'accord? Et le Korban Pessah, on le mangeait en guise d'afikoman. À la fin du repas, on mangeait un petit peu le Korban Pessah. En tant que le grand plaisir, on mange le petit, pas l'apéro, le dessert agréable qu'on mange à la fin du repas. D'accord? Et donc auparavant, on mangeait d'abord le Shalmei Chagiga. Ça, c'était l'introduction générale. Maintenant, la Michal vient de m'enseigner, elle me dit, tu sais, il y a trois conditions requises pour pouvoir apporter les Shalmei Chagiga. Et Matay Mevi Chagiga Imo, dans quelles conditions tu devras apporter un Korban Chagiga en plus du Korban Pessah? Alors, Bizan Cheuba Bechol, Betahara ou Bemouat. Il faut les trois conditions en même temps à remplir. Que tu apportes le Korban Pessah un jour de Chol, de semaine, pas le Shabbat. Betahara. Que c'est, alors là c'est une halakha particulière, c'est que le Korban Pessah, on le fait en période où on l'apporte, on est tout le peuple d'Israël pur, je vais vous expliquer après c'est quoi, vous ne devez pas forcément comprendre là pour le moment. Ou Bemouat et qu'on est en petite quantité. À exclure le cas inverse. Au Bizman Shehuba Beshabbat, par contre, si on apporte le Korban Pessah à Shabbat, soit Pessah va tomber à Motse Shabbat, à la fin de Shabbat. Donc pendant Shabbat, on transgresse le Shabbat pour pouvoir faire le Korban Pessah. Là, on a la permission que pour le Korban Pessah et pas pour la Chagiga. Ou encore Bim Roubé, si on l'apporte qu'on est en grande quantité. Non, qui est au contraire, à l'envers, qui a beaucoup de viande. Et B. Touma, ou bien on l'apporte alors qu'on est impur. Je vais expliquer 30 secondes. Donc, en Mevin Imo Chagiga, dans ces conditions-là, on n'apportera pas de Chagiga, juste le Korban Pessah. Bon, l'histoire de Pessah, vous avez bien compris. L'histoire de Shabbat, vous avez compris. Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser quoi que ce soit, on n'a pas le droit d'égorger un animal même. Maintenant, la Torah l'a dit, pour le Korban Pessah, vous avez une dérogation spéciale. Bemo Ado, d'apporter le Korban Pessah au moment où je vous ai dit de le faire, donc le 14. Donc, 14 Nissan, on apporte le Korban Pessah. Même si ça tombe pendant Shabbat. Par contre, dans une telle configuration, on n'apportera pas de Korban Chagiga, parce que là, on n'a pas eu la dérogation qui était donnée pour ça. Pour le moment, c'est clair.
Je passe sur la troisième, le mu'at et merubé. T'apportes, t'as pas d'obligation d'apporter un korban régulier. Tu l'apportes que si tu en as besoin. Donc, si vous êtes bémouat, c'est-à-dire il y a un peu de viande, par rapport à merubé qui a beaucoup de viande. Si on est un petit groupe de personnes, on est une khaboura de 5-6 personnes, alors le korban pessah, il y en a assez pour tout le monde. Il faut faire attention à ne pas, à ce qu'il n'en reste pas, a priori. Il faut tout finir autant que possible. Donc du coup, restreins. Ne prends pas trop large, parce que sinon il va t'en rester jusqu'au demain. Contente-toi d'apporter juste un korban pessah. Et par contre, si ça vient bimroubé, bémouat par contre, qu'il n'y a pas assez de viande, donc bémouat ou bimroubé, s'il n'y a pas assez de viande pour tous, alors là, dans ce cas-là, ça apportera aussi le korban régulier. L'histoire de Tahara et Touma, alors c'est une notion qu'on aura l'occasion de voir longuement. Il y a une particularité dans... Je jette l'idée d'abord, après j'explique un peu mieux. Si la plus de la majorité du Ham Israël est impur, en Toumat Met, on a tous été en contact avec un mort. Imaginez Bezrat Hashem, cette année-là, le Beit HaMikdash va être construit. Mais malheureusement, imaginez que ça ne va pas être assez tôt pour qu'on ait le temps de tous se purifier et d'apporter le Korban Pessah. Du coup, on sera tous Metim, on aura l'impureté des morts. Si le Rov Am Israël est impur, alors on a le droit de faire le Korban Pessah alors qu'on est impur. On aura l'occasion de voir longuement la Halakha. De manière générale, toutes les korbanotes particuliers des fêtes, on les apporte même, si tout le Am Israël est devenu impur, on les apportera, la majorité du Am Israël impur, on l'apportera même si on est impur. Alors qu'un korban interdit, une personne impure n'a pas le droit d'entrer dans la Hazara, en théorie. Pour les fêtes particulières, pour le korban pessah, on va se contenter ça pour le moment, eh bien, si on est la majorité impure, on aura le droit d'apporter le korban alors qu'on est tous impurs, et on aura le droit de le manger alors qu'on est impur aussi. Ok? On aura l'occasion de voir plus longuement. Du coup, la Mishnah, elle me dit, tu sais, la dérogation d'apporter un korban alors que tu es impur, elle est donnée que sur le korban pessah, mais pas sur le korban chagiga. Soit, si le korban, si on est dans une année où on va tous apporter le korban pessah alors qu'on est tous impurs, eh bien, on n'apportera pas de chalmé chagiga. Ok? De la chagiga du chagiga tudalet. Chagiga tarba asara. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha kol tov. Salam.